Là il est du coup 3h30 et je pense que je vais aller me promener un petit peu, faire 2-3 attractions. Et j'ai mon fast-pass pour Winnie l'ourson à 4h30. Donc là on est dans le château, comme je voulais vous montrer un petit peu. Alors à l'intérieur c'est un restaurant, donc faut pas monter, contrairement à Disneyland Paris. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut y voir. Donc, presque pas très disneyenne sur l'histoire de Cendrillon. Ceci dit c'est très joli hein. En fait ce que j'aime pas dans cette attraction c'est que tout est en intérieur en fait, la devanture est pas très très belle et tout, et vous allez voir qu'à l'intérieur c'est un peu aussi esprit entrepôt quoi. Doesn't it?
say. Bah Winnie le Pooh, Winnie l'ourson, c'est toujours aussi sympa. Là je vais aller au village de Belle faire un petit tour dans les boutiques puisque ça y est j'ai fini les fast pass. Donc là on est dans la partie un petit peu française de New Fantasyland. Donc là on a la taverne de Gaston, on vient de passer le restaurant Biorgest et l'attraction de la Belle et la Bête. Et moi ce qui m'intéresse c'est la boutique Village Gifts. Regardez-moi ces absolues merveilles. C'est beaucoup trop joli, non? Est-ce que ça nécessite un quelconque commentaire? Je pense que le prochain hall va vraiment être fou. Ça, je ne dis rien. On va aller faire le train qui fait le tour de Walt Disney World. Et je l'ai jamais fait. Et oui. Ouais. J'ai réussi à me faire un coup de soleil sur le tatouage. Ça fait bien mal. Bon, je viens de sortir du train du coup, c'était bien reposant, rien de très spécial, il n'y avait pas grand chose dans les décors mais au moins je me suis bien reposée. Et en sortant du coup je suis tombée sur la parade Movie Check It. Grosse surprise, je m'y attendais pas mais du coup j'avais une très bonne place. Et la bonne surprise c'est qu'ils ont changé les personnages depuis 2016. Donc moi j'avais eu notamment Phineas et Ferb. Là il y avait les Indestructibles et surtout Nick et Judy de Zootopie que j'ai jamais vu en personnage. Donc trop contente. Là c'est ma fin de journée donc je suis allée faire quelques boutiques sur Main Street et rentrer à mon hôtel. Donc là c'est là qu'on peut rencontrer Fée Clochette et Mickey qui parlent. Et moi je vais me diriger plutôt vers les boutiques de Main Street. Donc là on est sur une première boutique spéciale pour les oreilles de Mickey, Minnie et les chapeaux. C'est un truc de fou. Et là vous avez le concept du coup des oreilles interchangeables avec les nœuds et il y en a plein qui sont trop beaux et j'hésite à craquer perso. Voilà. Je vous fais découvrir en même temps que moi mais alors là franchement... autant vous dire que la boutique de confiserie de Main Street à Disneyland Paris, c'est Rikiki à côté. Waouh! Énorme! Énorme ici! Et on les voit même préparer et tout. Trop beau! Ça va que je suis pas gourmande en sucre parce que franchement, il y a de quoi prendre 5 kilos rien qu'en les regardant. Alors là c'est une boutique un peu plus collectionneur mais alors regardez-moi encore cette mise en scène, cette beauté. Oh, mon dieu ça c'est beaucoup trop joli, j'adore. Et là vraiment c'est juste magnifique, magnifique. Mais j'en prends plein les yeux, c'est trop beau. Les figurines et tout. Oh mon dieu. J'étais pas du tout préparée. Je savais que ceci existait. Mais là, ça, c'est mon paradis en fait. Donc vous avez ici les sacs Daniel Nicole. Je fonds. Ils sont beaucoup trop beaux. Oh, vous sentez la Radia Shopping là arriver? Vous la sentez? Moi, oui. Waouh! Waouh. Non mais et puis les robes. Oh la beauté. Oh
Non mais comprenez-moi s'il vous plaît, enfin, waouh. Pourquoi on n'a pas ça chez nous? Sérieusement? Je suis en train de faire un blocage sur cette beauté les gars. Je pense que je vais acheter un truc. C'est obligé, je peux pas ne pas acheter. Enfin genre, vous me comprenez, pas vrai? Il y a trop de choix, il y a trop de choix. Et mon portefeuille est pas assez fort pour résister à tout ça. Alors là on passe à un tout autre type de délire hein. C'est tout ce qui est figurine en cristal. Mais là encore, regardez-moi la taille, non pas d'une, mais de deux boutiques en fait. Enfin, c'est impressionnant. Et ça brille comme ça partout. Je pense que ma vidéo s'appellera ce que je n'ai miraculeusement pas acheté à Walt Disney World. Parce que franchement, il y a tellement de choses là que je... Oh mon dieu. Mais please. Sérieusement? Et toutes ces chaussettes là? Bon, par contre, le fait que ce soit à côté des crocs, c'est un crime contre l'humanité. Mais il y a trop de belles paires en fait. Enfin, genre le Cheshire Cat et tout. Oh, simple et grincheux. J'adore. Le tour des boutiques est fait, je vous ai emmené avec moi, j'ai encore fait des achats. Vous allez très vite découvrir pourquoi, mais j'ai envie de rester un alien toute ma vie. Mais vous découvrez ça dans les prochains vlogs, je pense dans 2 ou 3 jours. Comme vous pouvez le voir, j'ai totalement cramé sur les bras et ça fait bien bien mal, surtout que le tatouage a pris cher lui aussi. Je crois que j'ai un début de coup de soleil sur le nez aussi, on aime beaucoup. Mais si je suis rouge et crevisse dans les prochains vlogs, vous saurez pourquoi. Alors, petit bilan de cette journée. Alors, j'ai l'impression d'avoir fait énormément de choses et d'un côté, non. Il est 6h30, 7h, mais c'est vrai que j'ai le décalage horaire dans la tronche et je suis quand même bien crevée. Et je préfère ne pas faire trop de choses aujourd'hui pour être en forme pour les prochains jours. Sachant que demain soir, par exemple, je vais rester sur les parcs beaucoup plus tard, comme vous allez pouvoir le voir. Et du coup, en rentrant, je pense que je vais monter le vlog et aller faire un tour à la piscine de mon hôtel. D'ailleurs, je vais vous faire découvrir l'extérieur de mon hôtel puisque vous n'avez pas encore vu ça. J'ai beaucoup aimé cette journée, beaucoup de magie et de nostalgie d'un côté de revenir ici et je me sens extrêmement chanceuse d'avoir la chance de revenir à Walt Disney World parce que quand j'y suis allée il y a 2 ans, honnêtement j'étais persuadée que je ne reviendrais pas, ce qui est quand même assez ouf. J'ai fait encore plein d'achats, hein. J'ai redécouvert la parade festival Fantasy parce que la première fois que je l'avais vue j'étais pas du tout bien placée et là c'est vrai que j'ai une place parfaite, c'est génial. J'ai pas fait énormément d'attractions comme vous avez pu le voir, mais j'ai quand même vécu plein de choses et j'espère que ce premier ou ces 2 premiers vlogs vous auront plu puisque je sais pas encore comment je vais découper ça. Et n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces en l'air, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire ce que vous attendez de la suite. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein d'énormes bisous, bisous, bisous. Bon, première attraction de la journée vu qu'il n'y a que 5 minutes d'attente, l'attraction de mille et une pattes. Je suis en direction de mon attraction fétiche pour laquelle j'ai un fast-pass. Il s'agit du Kilimanjaro Safari et donc on va découvrir les animaux durant ce périple. J'ai trop hâte.